question comme ça, t'aurais pas vu mon... Oh non, tu l'as encore fait. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as encore fait. Fait quoi? Tu as encore regardé un film pour enfants et tu l'as rattaché à un concept ésotérique et métaphysique te basant sur des recherches et des concepts énormément arbitraires. Mais non, de quoi tu parles? Regarde l'état de ton bureau et dis-moi honnêtement que c'est pas ça qui se passe. Ok, d'accord, je vois ton point, mais cette fois c'est différent, je te jure, je tiens quelque chose. Tu as dit exactement la même chose en décembre dernier quand t'as fait une vidéo sur Darth Maul. Ok, bon, on récapitule, Darth Maul c'est le vrai élu de la prophétie. Non, 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 c'est un anti-élu de la force. Non, non, je l'ai. Dans le contexte où Anakin est l'élu de la force, il doit y avoir un prophète, et ce prophète, c'est à la fois Maul et pas Maul. D'accord, je sais que je suis peut-être allé un petit peu loin par le passé, mais là, je te jure que c'est différent. C'est toujours différent avec toi. Tu as besoin de prendre une douche, de manger un vrai repas et d'aller dormir un minimum de 6 heures. Non, non, mais là, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, je parle du faucheur d'armes, de la mort en elle-même, dans une émission où on analyse les antagonistes. T'imagines tout ce qu'il y a à dire sur le sujet? C'est pas faux. Et même si je suis assez... contre ton espèce d'obsession à toujours creuser plus loin au point de te ruiner la santé, je vais t'avouer, je suis quand même curieux de voir ce que t'as trouvé. Ok, ben écoute, viens voir ce que j'ai. Non, ce serait chiant à monter. Ce serait chiant à monter! On est d'accord! Alors, laisse-moi t'expliquer. Salutationnalisation et bienvenue à ce 17e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Peut-on appeler une force de la nature et une étape naturelle du cycle de la vie un antagoniste? Moi, je dis que oui quand cette force de la nature essaye de nous traquer pour nous décapiter. Le loup, le faucheur d'armes, la mort, le chasseur, un des antagonistes principaux du film Le Chapoté, le dernier vœu, dernier chef-d'œuvre des studios DreamWorks, qui, à mon sens, redéfinit les codes de l'animation autant que Spider-Man, Across the Spider-Verse. Le loup, c'est ce genre d'antagoniste très particulier, du fait qu'il est loin d'être méchant, il ne fait que son travail, il n'a aucune motivation si ce n'est l'ordre naturel des choses, et sur un spectrum d'utilité, il est aussi important pour le développement du personnage principal que n'importe lequel des autres éléments du film. Paradoxalement, le loup étant la mort, il fera apprécier le sens de la vie au personnage de l'œuvre, se basant principalement sur une philosophie existentialiste pour définir si, oui ou non, Poté mérite de mourir. J'ai déjà produit une vidéo entière sur ce fascinant personnage où je développais sur des théories, mais je ne faisais que présenter des idées bien à moi, ne me souciant trop des faits. Et devant la merveille d'écriture qu'est cet antagoniste, je me permets de dire qu'il faut rectifier le tir. Aujourd'hui, on analyse le mal, la mort, le loup, et on tente d'obtenir des réponses aux grandes questions soulevées par sa simple existence. Si vous aimez donc les méchants, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche ainsi qu'à me dire en commentaire de quel autre antagoniste vous voudriez que l'on parle. Soyez aussi sûr d'avoir vu Le Chapoté, le dernier vu jusqu'au bout pour éviter les spoilers. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire du loup. Le loup apparaît au début du film, mais genre vraiment au début, regardez, il est juste là dans la ruelle. Hé, c'est pas dans mes habitudes, mais je pourrais avoir ton autographe, je suis un de tes admirateurs depuis très longtemps. Poté va prendre le loup pour un simple chasseur de primes, il va se faire démonter en 1v1, ce qui lui fera prendre conscience de sa propre mortalité. Il va donc passer le film à le fuir, étant pleinement conscient qu'il est à sa 9e et dernière vie, jusqu'à retomber sur lui dans une grotte où il va se révéler comme étant la mort. Tu es la mort. Ce n'est ni une métaphore, ni une figure de style, ni une image, ni un symbole, ni rien de recherché ou de subtil. Je suis la mort, au sens le plus simple. Et je suis venu pour toi, Poté. Le message ici, il est clair, c'est pas une façon détournée de dire une autre vérité. Il est la grande faucheuse, une force inarrêtable, venue pour collecter l'âme du chat. Ils vont se re-rencontrer à la fin du film pour un dernier affrontement, Poté ayant compris qu'il est futile de courir pour échapper à la mort, mais que ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se battre pour sa vie. La mort voyant le nouveau chat, il décide de le laisser vivre sa dernière vie, sachant qu'il la chérira comme le cadeau qu'elle est. Je sais que je ne pourrai jamais te vaincre, Lobo. Mais pour cette vie-ci, je te promets de me battre jusqu'à la fin. Et
Bah, c'est pas mal tout, en fait. La mort est assez peu présente dans l'œuvre. Si on sent sa présence à travers les scènes, elle n'apparaît que quelques fois au cours du récit. La raison étant que c'est pas un personnage lambda, c'est plus un méta-concept. La mort, dans les faits, dans le récit, elle est partout et on peut assumer que pourquoi ça a la forme d'un loup, c'est parce qu'elle choisit de prendre cette forme et qu'en réalité, c'est plus un concept cosmique ou céleste qu'il n'y a pas de vraie forme physique. Son histoire dans le récit est brève, mais non incomplète. Mais du côté culturel et folklorique, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort à travers les cultures. Il est temps de sortir le lore et le background. De quelle mort est-ce qu'on parle? Déjà, celui avec lequel vous devez être le plus familier, le faucheur d'âme, le moniker qui semble tirer ses origines de l'ouvrage « The Cycle of Human Life », écrit par August Tullock en 1847. Une traduction partielle d'un autre document allemand paru en 1841. Googlez les mots « mort » ou « faucheur d'âme » et vous tomberez éventuellement sur ce genre d'image, une grande figure squelettique encapuchonnée en noir, tenant une faux à la main. Et pourtant, c'est quand même fou de se dire que cette représentation iconique que tout le monde connaît, eh bien, selon les recherches que j'ai faites, elle n'a pas encore 200 ans. Même si c'est un peu un raccourci de se dire ça, parce que ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est la légende dite des trois morts et trois vifs. Un récit illustré qui est souvent considéré par les historiens comme la première représentation physique et artistique de la mort, comme une figure squelettique qui date du 13e siècle. Cette histoire a forgé l'Europe, et je veux dire forgé l'Europe, parce qu'on retrouve des versions de ce récit en France, en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Un peu comme les contes de fées qui sont réadaptés et repris justement dans l'univers de Shrek et du Chapoté. C'est quand même intéressant comme coïncidence. L'histoire parle donc tantôt d'aristocrates, tantôt de rois qui sont en train de chasser en forêt et tomberont sur trois cadavres animés, chacun à un stade de décomposition différent. Et selon les versions, les trois vifs vont reconnaître les trois morts soit comme leurs ancêtres, soit comme des réflexions d'eux-mêmes. Les cadavres vont avertir les vivants par rapport à la fatalité de la mort et du besoin de repentir leur péché, ce qui enverra les trois hommes sur le chemin pour devenir de meilleures personnes. C'est difficile ici de parler de ce qui est l'intention de l'auteur, mais si on a un thème qu'on peut relier au personnage du loup dans le Chapoté, c'est le fait de chérir la vie, de ne pas la prendre pour acquise et de tenter de la mener au mieux qu'il est possible. C'est... Je ne suis pas fou des chats. Le fait de disposer de 9 vies est à mes yeux une chose absurde. Et pour toi, aucune d'entre elles n'a eu la moindre valeur. Donc, je vais nous rendre service à tous les deux et te délivrer de celle-ci tout de suite. Ça, c'est pour le faucheur d'âme, parce que si vous avez vu notre vidéo sur le fantôme masqué de l'univers de Batman, vous savez que la mort est aussi souvent associée à l'archange Azrael, un ange dans les mythes hébreux. Plus particulièrement dans l'islam. Oui, les musulmans aussi, ils ont des anges. Mais la mort, c'est aussi une figure qui peut être reliée à l'Apocalypse, là où elle est un des quatre cavaliers selon les versions, chevauchant un cheval blanc ou vert. Et de toute façon, les quatre cavaliers, ils amènent la guerre, la conquête, la famine et l'épidémie. Donc autant dire que la mort se présentera de toute façon. Dans les cultures européennes autres que le christianisme, on retrouve par exemple les Celtiques avec le Dullahan, ce cavalier sans tête venu chercher l'âme des défunts sur Terre. Il apparaît aussi conduisant un chariot cette fois, tiré par plusieurs chevaux, où il range l'âme des défunts, et il est dit qu'une fois que le Dullahan descend sur Terre, il ne peut repartir qu'en ayant en poche les âmes qu'il est venu chercher. Mais aussi qu'il est impossible de lui échapper. Ça devrait vous rappeler quelqu'un. Cette poursuite était très amusante, Gato. Mais je crois qu'on arrive au bout maintenant, toi et moi. Il est aussi dit que son chariot est des fois accompagné de banshees et messagères de la mort, gémissant et criant avec des larmes de sang leur coulant des yeux. Ouais, après ça, j'aimerais vous entendre vous plaindre d'un bébé qui pleure dans l'avion. Et je le savais aussi que j'aurais pas dû prendre la classe économique. Chaque culture a plus ou moins sa dépiction de la mort, comme Thanatos chez les Grecs ou elle dans les mythes norrois. Et si vous avez pu remarquer, j'ai décidé de rester principalement en Occident durant le Moyen-Âge Renaissance maximum pour pouvoir bien coller avec le contexte spatio-temporel du Chapoté. Dans le sens où ce film se passe dans l'univers de Shrek, univers inspiré par les contes de fées européens et, soyons honnêtes, par une certaine haine envers les studios Disney. Par exemple, Shrek, c'est un ogre, créature fantastique dont la plus vieille origine connue remonte à Perceval ou le conte du Graal, faisant donc partie du cycle arthurien. Et Poté en lui-même, c'est une adaptation du Chapoté, conte franco-italien écrit par Charles Perrault et Giovanni Francesco Steprola en 1697.
Il est donc plus que correct d'assumer que si on veut retrouver les origines du loup dans le contexte du film Le Chapoté, eh bien c'est dans le folklore européen qu'on a le plus d'indices. Et de toute façon, dans le film, on voit que Poté a déjà participé aux courses de taureaux de la ville de Pamplona, ville située donc au nord de l'Espagne. Donc à un certain point, oui, on peut parler de mythes européens médiévaux, et de toute façon, moi je trouve que ça rend la vidéo beaucoup plus intéressante. Mais aussi, comme déesse ou figure divine représentant la mort, on voit la Morrigane, déjà mentionnée dans une de mes vidéos sur God of War. Déesse de la mort et de la guerre, et devinez quoi, si elle aborde principalement la forme d'un corbeau dans le cycle Ulster, elle est associée à la forme d'un loup. Le loup, l'animal de la mort. Pourquoi est-ce que la mort est un loup? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça tourne sûrement autour d'un seul concept. Sais-tu que je raffole de l'odeur de la peur? La peur, c'est ce qui entoure ce fascinant personnage. Il l'utilise pour traquer et rendre sa proie paranoïaque. Poté étant un chat, la mort aurait donc pris la forme d'un loup pour le traquer et l'effrayer, devenant une sorte de super prédateur canin pour attraper un petit chat domestique qui tente de survivre dans la nature. C'est une théorie intéressante, mais étymologiquement parlant et surtout folkloriquement parlant, le loup, c'est un petit peu plus compliqué. Si le loup, dans certaines cultures, c'est un symbole de protection et de famille, eh bien dans le folklore européen, il est souvent associé au mal, à la sorcellerie et au mauvais présage. Pour certains mythes européens, le loup signifierait littéralement le diable. J'ai pas exactement trouvé d'explication pourquoi, mais ma théorie personnelle, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, c'est que le loup, c'est un animal qui est assez intrusif et qui peut venir chasser le bétail des éleveurs. Donc forcément, quand t'es un éleveur de moutons et que t'es un animal dans la nature qui vient dégommer ta seule source de revenus, je comprends qu'on puisse l'associer à quelque chose de plus négatif. Et de toute façon, historiquement parlant, on a juste à regarder les apparitions de loups qui sont vraiment devenues problématiques, comme la bête du Gévaudan par exemple. Et c'est pendant l'ère des grandes explorations que les Européens amèneront avec eux cette image négative du loup vers le Nouveau Monde, image qui viendra corrompre ce que cet animal voulait dire pour les natifs américains. Natifs américains qui associaient l'iconographie du loup à un symbole de chasse fructueuse, de loyauté et de force. Même ça encore, c'est difficile à dire parce que rappelons-le, le Nouveau Monde, il a été colonisé par des États chrétiens catholiques principalement. Et chez les peuples celtiques et gaulois, qui sont des peuples européens non catholiques, ce sont des païens, eh bien le loup, c'est un symbole d'intuition, de chasse et de transformation. Donc, encore une fois, un symbole positif. Mais faut pas croire que tous les païens aimaient les loups parce que tu peux remonter jusqu'en Grèce antique avec Lycaon, souvent regardé comme le premier loup-garou de l'histoire, transformé en bête sauvage par Zeus pour le punir. Donc, encore une fois, un symbole négatif. Il n'y a qu'à voir comment l'animal est représenté dans les arts natifs américains comme un compagnon et comme une bête démoniaque dans les dépictions chrétiennes, comme quoi c'est encore l'église catholique qui est venue foutre la merde. Merci de garder vos opinions sur le sujet respectueux en commentaire, on enchaîne. Dans les contes de fées, le loup, il est le méchant. On parle du grand méchant loup chez le petit chaperon rouge, chez Pierre et le loup et les sept chevreaux, les trois petits cochons et j'en passe. Mais le loup, en vieux français, sachez-le, ça ne désigne pas que l'animal. Ça peut aussi définir un homme malveillant et mal intentionné, une sorte de signification du mot qui s'est perdue dans l'histoire. Par exemple, le petit chaperon rouge, le conte original, sa morale, c'est de ne pas parler aux étrangers, étrangers étant ici le grand méchant loup à qui elle va parler, et c'est très sous-entendu qu'il va simplement abuser sexuellement de la petite fille. Bref, selon la culture, vous l'aurez compris, le loup est soit vu comme un symbole ultime du mal, soit comme un bon exemple à suivre et un signe de bon augure. Et la mort dans le chapoté, ben, elle fait la moyenne des deux, en fait. Déjà, elle représente sûrement le grand méchant loup des contes de fées. C'est assez dur à renier du simple fait que presque tous les personnages de l'univers de Shrek sont tirés des contes de fées. Mais il représente aussi la mort, la grande faucheuse, et la mort, ben, elle est pas méchante. Elle fait que son travail et suit l'ordre naturel des choses. Si elle est aux trousses du chapoté, c'est parce qu'il devient arrogant à cause de ses 9 vies et qu'elle souhaite rétablir l'équilibre des choses. Tiens, tiens, qui voilà? Si c'est pas le chapoté en personne. Alors, tout comme le loup dans les croyances folkloriques, la mort a une moralité grise et incertaine. Pourquoi? Parce que c'est une force de la nature avant d'être un vrai antagoniste. La fatalité de la mort. Pendant le dénouement du film, les héros se retrouvent encerclés de flammes magiques, et pour tout le monde, entrer dans ce brasier est synonyme de décès. Entre alors le loup en sifflant qui, calmement, marchera à travers les flammes et qui en créera de nouvelles par lui-même. Ça impose la puissance du personnage. Il est le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Il est venu chercher l'âme du chat et il ne repartira pas sans. C'est qui, lui?
Il est venu pour moi. Et c'est le commun de toutes les itérations de la mort, que ce soit en fiction, en folklore ou en croyances religieuses. On ne l'évite pas, on ne fait que retarder l'inévitable. Vient ensuite leur combat et, à ce niveau, s'en impose. Déjà, il vient à bout de Poté relativement facilement pendant leur première rencontre. Poté qui, jusque-là, est un des héros les plus célèbres de son époque. Je savais que je pouvais pas rivaliser avec ton seul véritable amour. Quoi? Qui ça? Toi-même, la légende. Oh. On parle d'un simple chat qui réussit à terrasser un géant relativement facilement et la mort le met à terre en 10 secondes. Ici, la mort forcera le chat à se rendre compte de sa propre mortalité. Tu n'es pas à la hauteur de la légende, gâteau. Jusqu'à ce qu'il le retrouve dans une grotte où Poté le regardera symboliquement brisant les souvenirs de ses 8 vies précédentes, exposant le fait qu'il l'a déjà tué 8 fois, alors qu'une 9e et dernière n'est que l'ordre naturel des choses. Avec tes vies passées ou tes morts passées, comme je préfère les appeler. J'ai été témoin de chacune d'entre elles. S'ensuit alors une grosse course-poursuite qui va terrifier Poté et donner exactement ce qu'il veut au loup, à savoir l'odeur de la peur. C'est ça qui rend le loup si intimidant, il est une vraie menace pour le chat. Par exemple, quand il lui sortira sa catchphrase « Crains-moi si tu l'oses », la mort va l'interrompre d'un simple coup d'épée. Allons-y qu'on en finisse. Tremble si tu n'es qu'à... Ok. Il va ensuite le massacrer et même le blesser. Pour une fois, Poté ne regarde pas son ennemi comme une légende, mais comme un individu. Un individu qui lui fait se rendre compte que oui, ce combat pourrait être son dernier. Plus de vie additionnelle, plus de filet de sécurité, plus de dernière chance. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Sa première scène présente donc un antagoniste charismatique et effrayant, autant dans son chara-design que dans ses actions. Une véritable force inarrêtable. Ce qui rend ce personnage génial, c'est surtout sa fatalité. On comprend que la seule raison pourquoi il n'est pas tombé sur Poté plutôt à un moment random et inopportun, c'est parce qu'il voulait s'amuser. Sauve-toi, Poté! Va chercher le vœu! Vas-y! Cours! Sauve-toi, ce sera plus amusant pour moi. Mais aussi parce qu'à quelque part, peut-être que la mort n'avait jamais prévu prendre l'âme de Poté trop tôt. La valeur de la vie. Si la vie et la mort semblent être opposées, la réalité, c'est que ce ne sont que les deux côtés d'une même pièce. En fiction, beaucoup d'histoires qui mettent en scène des personnages immortels ne met pas leur situation comme quelque chose d'enviable. Pourquoi? Parce que l'immortalité, la vie éternelle, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que selon cette façon de penser, la vie étant éphémère, c'est ça qui la rend importante et surtout appréciable. Un bon exemple de ce phénomène, c'est Wolverine dans l'univers Marvel qui vit ses années prime comme un soldat et une machine à tuer et finira en pacifiste solitaire qui a vu tous ceux qu'il aime mourir. Et ces personnages immortels vont toujours tenter de tracer leur propre chemin et de donner un sens à cette immortalité. Par exemple, Oppenheim, le lumineux de Fullmetal Alchemist, est branché aux forces vitales de plus de 200 000 personnes. 200 000 personnes avec qui il a pris le temps de converser, d'échanger et de discuter pour apprendre à bien connaître chacune de ses âmes et s'en faire des amis. À son opposé, Ra's al Ghul, personnage de DC Comics, veut changer le monde et le modeler à sa façon. C'est pourquoi, avec l'aide des Puits de Lazar, il est capable de rajeunir et de gagner le temps qu'il lui faut. Le point de cette dichotomie, c'est que Oppenheim, qui est maudit par l'immortalité, a décidé de faire quelque chose avec pour bien la vivre, et que Ra's al Ghul, sous le joug de ses buts beaucoup trop ambitieux et grands pour une simple vie humaine, a décidé de trouver un moyen d'émuler l'immortalité pour les atteindre. Le dénominateur commun ici étant la vie et surtout la façon de la vivre. Le loup représente bien en premier lieu la philosophie du nihilisme, doctrine qui dit que la vie n'a pas d'objectif ou de sens précis au-delà de ce qu'un individu va lui donner. Dans le nihilisme, il y a Friedrich Nietzsche qui est connu pour, entre autres, ces quelques lignes. Vivre, souffrir et survivre, c'est trouver un sens dans cette souffrance. Nietzsche était quelqu'un de très malheureux. Disant essentiellement chez Nietzsche que la raison de la vie vient d'un choix fait par l'individu, non dicté par la société ou la religion. Qu'une vie pleine de sens vient avant tout de l'expression personnelle. Mais je crois qu'on peut creuser un peu plus loin ici et se rendre jusqu'à la philosophie de l'absurde. La philosophie de l'absurde, c'est une de mes philosophies préférées, du simple fait qu'elle a tendance à dire que la vie, la mort, l'existence elle-même, ben il n'y a aucun but.
Et c'est dans ce sens-là que va le loup. S'il vient collecter la 9e et dernière vie de Poté, c'est parce qu'il la prend pour acquise et c'est seulement quand le chat va se relever, se battre pour sa vie plutôt que pour la gloire, que le loup va le laisser tranquille. Pourquoi? Parce que si la vie n'a aucun sens, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas un cadeau à chérir. Par exemple, Poté, il a la chance de vivre 9 vies du simple fait qu'il est un chat. Et le reste des espèces vivantes n'en vivent qu'une seule. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on doit faire avec cette vie. C'est ce qu'on veut faire avec cette vie et comment on va le faire. Quelque chose que Poté va apprendre à la fin du film. Je sais que je ne pourrai jamais te vaincre, Lobo. Mais pour cette vie-ci, je te promets de me battre jusqu'à la fin. Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous lire un petit passage de l'essai scientifique Le mystère de l'arc-en-ciel, écrit par Richard Dawkins. Nous allons mourir et ça fait de nous les Vénards. La plupart des gens ne mourront jamais parce qu'ils ne naîtront jamais. Les personnes potentielles qui auraient pu être là à ma place, mais en fait ne verront jamais la lumière du jour, sont plus nombreuses que les grains de sable du Sahara. Ces fantômes non-nés comprennent certainement des poètes plus grands que Keats, des scientifiques plus grands que Newton. Nous savons cela parce que l'ensemble des personnes possibles permises par notre ADN dépasse si massivement l'ensemble des personnes réelles. En dépit de ces probabilités stupéfiantes, c'est vous et moi, dans notre banalité, qui sommes là. Nous, les quelques privilégiés qui avons gagné la loterie de la vie contre toutes les probabilités, comment osons-nous nous plaindre de notre inévitable retour à cet état précédent dont la majorité d'entre nous ne s'éveillera jamais? Oui, si vous l'avez reconnu, c'est le passage non chanté de la chanson de Nightwish, The Greatest Show on Earth. Un peu d'amour pour Nightwish dans les commentaires, s'il vous plaît. Le point étant que le fait de vivre est un cadeau, et quand t'as passé des millénaires à connecter les vies de tout le monde, des fois de façon assez injuste, et que là t'as un chat arrogant qui prend ses 9 vies pour acquises, ben moi aussi je le prendrais assez mal, je vais pas vous mentir. Et surtout à travers tout ça, ce qu'on peut réaliser, c'est que le loup, ben il a eu exactement ce qu'il voulait. La légende et la mort. Au milieu du film, encore poursuivi par le loup, Poté va faire une crise de panique, chose assez inhabituelle pour un protagoniste. Perito lui dira que c'est normal d'avoir peur, ce à quoi le chat répondra « Non, pas au chat Poté. Je suis censé être un héros, sans peur, une légende. Mais je n'ai plus de vie en réserve. Sans ça, moi, je ne suis plus rien. » Ici alors, trois choses importantes. D'un, le chat est une légende. Le seul fait qu'il puisse avoir peur de quelque chose lui est improbable, même pour lui. « Je suis fichu. Il ne me reste qu'une seule vie. » Et je suis terrifié. De deux, le chat, il est le protagoniste d'un film familial. Et c'est assez rare, voire inhabituel, de voir le protagoniste d'un film ouvert aux enfants dans cette situation de faiblesse. De trois, c'est ici que le chat Poté est bien mort. Pas le personnage en tant que tel, mais bien la légende, le héros dont tout le monde parle. Parlons un peu du premier combat de Poté contre le loup. De un, le loup, il va venir lui demander un autographe, façon détournée de lui faire comprendre qu'il est à ses trousses. Hey, c'est pas dans mes habitudes, mais je pourrais avoir ton autographe. Je suis un de tes admirateurs depuis très longtemps. Tu peux signer juste là. Et quand on se rend compte plus tard dans le film que le loup en a après Poté à cause de son arrogance et de ses 9 vies, c'est ce moment qui prend tout son sens. Il lui demandera alors de signer l'avis de recherche et il va tapoter sur un mot en particulier. Premier indice quant à la vraie identité du personnage. Le chat va lui dire qu'il rit au nez de la mort, phrase que le loup va ramener plus tard dans le long métrage. Ignores-tu que le chat Poté rit au nez de la mort? Vil chasseur de primes. Le légendaire chat Poté se rit de la mort, n'est-ce pas? Et le loup lui dira cette phrase. Chacun s'imagine qu'il sera le premier à me déjouer. Mais personne n'a encore réussi. C'est encore un indice. Si Poté, c'est quelqu'un qui se croit invincible, le loup, c'est clairement pas la première fois qu'il se trouve devant une petite légende arrogante qui pense pouvoir lui échapper. Vient ensuite leur confrontation. Ici, le chat est arrogant. Il pense pouvoir finir le loup en quelques coups d'épée. Il se croit imbattable et c'est cette fierté mal placée qui va finir par le vaincre. Mou, médiocre, minable. Parce qu'à ce moment, Poté, il a aucune idée de la vraie identité du loup. Il le prend simplement pour un chasseur de primes qui est meilleur que lui au combat au corps à corps. Il va esquiver tous ses coups d'épée jusqu'à en parer un où le chat va voir sa propre réflexion dans les lames de son adversaire. Et regardez bien son regard. Il est surpris et étonné que quelqu'un soit capable de croiser le fer avec lui. C'est là que Poté sera réellement dépassé et où la mort va lui asséner un coup qui le fera même saigner. Le chat, qui alors se croyait invincible, rempli de peur, échappe son arme et contemple la réalité comme quoi quelqu'un l'a battu. Le loup lui demandera alors.
Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Ramasse l'épée. J'ai dit, ramasse. Et le refus de Poté de ramasser son arme, il prendra sens à la fin de l'histoire pendant leur dernier affrontement. La mort va rendre son épée au chat et lui demandera « Vas-tu te battre ?» Choisiras-tu d'agir en poltron, de te sauver vers d'autres vies ou tu vas te battre ? Ramasse l'épée ! Allez, ramasse l'épée ! Le sous-texte étant, Poté, il a passé sa vie à courir et à se cacher derrière une pseudo-immortalité. Maintenant, il est vraiment le temps de se battre parce qu'il y a de vrais enjeux. La mort lui ressortira cette ligne. Est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Ce à quoi le chat va répondre... Non, une seule vie. J'ai fini de m'enfuir. Poté reprend l'épée, impliquant donc qu'il a appris à apprécier sa dernière vie. Tremble si tu en es capable! Allons-y qu'on en finisse. Tremble si tu en es capable. Tremble si tu en es capable. Voilà qui sera amusant. S'ensuit alors un combat dantesque entre les deux antagonistes. On a droit à un plan faisant écho à celui du premier combat. Mais là où ce plan montrait Poté effrayé de voir quelqu'un de plus fort que lui et la mort prête à finir avec une légende arrogante, celui-ci est là pour montrer Poté déterminé à se battre pour sa vie et un loup constatant à quel point le chat, se trouvant devant lui, a grandi au cours de son aventure. Poté va désarmer le loup, s'ensuit alors ce dialogue. Allez, ramasse! Je sais que je ne pourrai jamais te vaincre, Lobo. Mais pour cette vie-ci, je te promets de me battre jusqu'à la fin. C'est là que le loup comprend qu'il a tué la légende du chat et que la personne se trouvant devant lui est aussi authentique qu'il est possible de l'être. Mais surtout qu'il chérira sa dernière vie comme le cadeau qu'elle est. J'étais venu chercher un petit héros arrogant et convaincu d'être immortel. Mais ce n'est plus lui que je vois. Va et vis ta vie, le chapoté. Je t'en souhaite une bonne. Tu sais qu'on se reverra, n'est-ce pas? Si. Hasta la muerte. Alors le loup, tout simplement, moi je le considère comme le meilleur antagoniste que DreamWorks a jamais fait. DreamWorks, que j'arrêterai jamais de le dire, a parmi les meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Pour son alignement, comme il est cruel mais impartial et qu'après tout, il ne fait que faire son travail, je vais le mettre à vrai neutre. Soyez donc sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour plus d'analyse du mal. Alors, t'en as pensé quoi? C'est pas mal, il y a des bons points, mais de là à dire que le loup, c'est le meilleur antagoniste de tous les temps, ouais, t'exagères un peu. C'est sûr, mais qui t'a dit que je parlais seulement du loup? Quoi? Tu sais, il existe des centaines de milliers d'antagonistes. Mais le meilleur, il y en a juste un. Ok, tu commences à me faire peur. Est-ce que c'est moi qui te fais peur? Est-ce que c'est de me voir sous cette apparence? Ou est-ce que tu réalises que la ligne entre la réalité et la fiction, c'est jamais qu'une toute petite trace aussi arbitraire qu'il est possible d'être. Je comprends absolument rien de ce que tu me dis. S'il te plaît, arrête, j'aime pas ça. Ah, eh bien, bien. Le monde des humains. Ça fait du bien d'être de retour.